Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, dans un tout nouveau décor. Donc je suis hyper contente parce que depuis le temps que j'attendais ces bibliothèques. Alors oui, j'essaierai de faire une vidéo dédiée où je vous montrerai un petit peu tout le rendu en fait étagère par étagère. Mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait rempli. Je sais pas si vous pouvez le voir juste derrière. Parce que j'ai fait des étagères à thème, etc. Donc j'expliquerai tout ça dans une vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais pour le moment, c'est donc la première fois que je filme avec ce nouveau décor. Donc il va falloir que je regarde un petit peu ce que ça donne, voir si au niveau des... si ça paraît pas un peu bizarre, tordu derrière. Enfin voilà, ça va nécessiter quelques petits réglages pour le début, hein, mais bon, ça vous avez l'habitude. Et dorénavant, je filmerai toujours devant les bibliothèques. Parfois, je changerai certainement très légèrement l'angle. Afin que vous puissiez voir un petit peu aussi d'autres étagères dans la vidéo. Je ne vais pas faire une introduction plus longue et on va passer tout de suite au vif du sujet puisque vous l'avez vu dans le titre et la miniature. Elle se trouve juste derrière moi pour l'instant. C'est la toute première fois que je reçois une Fairy Loot. Comme vous le savez probablement, il faut s'inscrire sur une liste d'attente parce que c'est compliqué d'en recevoir. Enfin voilà, il y a beaucoup de monde qui la reçoit, enfin qui l'achète, hein, parce que c'est pas coutume. Donc j'étais sur la liste d'attente depuis plusieurs mois et enfin ça s'est décoincé, donc j'ai pu souscrire pour l'instant. Pour commencer, j'ai pris 6 mois, je verrai ce que ça donne, si ça me plaît, parce que j'adore regarder les vidéos de... Bah, la plupart du temps c'est beaucoup d'américaines ou d'anglaises qui font ça. J'essaierai, si c'est possible, de faire une petite traduction du résumé du livre parce que bah, tout le monde n'est pas forcément bilingue, sauf que si vous regardez les vidéos d'ouverture de colis de la box Fairy Loot, je pense que vous êtes intéressé par la box et donc probablement que vous avez au moins un bon niveau en anglais pour pouvoir lire en anglais. Après, c'est peut-être juste que vous aimez voir les goodies, les beaux livres. Voilà. Alors, il faut savoir que j'ai hésité quand même pas mal de temps avant d'essayer de souscrire à l'abonnement Fairy Loot, tout simplement parce que vous allez le voir quand je montrerai mes étagères au fur et à mesure. Je suis pas une grosse adepte de tous les petites choses de décoration. Enfin voilà, je suis assez difficile. J'aime pas quand il y a trop de choses parce que c'est tout simplement des nids à poussière comme on dit. En revanche, j'aime bien les plantes, j'aime les mugs, certains éléments de décoration. Tout dépend de quel livre seront tirés les objets. Mais sinon, voilà, je vais essayer de voir si ça me plaît, si les livres me plaisent, parce que c'est quand même le plus important. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les Fairy Loot, en général, des couvertures de livres spécialement faites pour l'édition de la box, il me semble. Des couvertures exclusives. Et en général, c'est signé par l'auteur ou l'autrice, ce qui rend le livre un peu plus unique, même s'il y en a un paquet qui l'ont, tous ceux qui auront souscrit à la box. Voilà, donc tout ce que j'espère, c'est que les livres proposés me plairont, et si ce n'est pas le cas, ben écoutez, j'ai toujours un Rakuten et j'ai toujours un Vinted, hein, donc voilà. Dernière petite chose, je ne suis pas quelqu'un de très expressif quand j'ouvre des colis ou quand je reçois des cadeaux, même si ça me fait énormément plaisir, je suis pas du genre à m'extasier à fond, voilà, pour que vous le sachiez. Et je vais pas faire semblant. Je vais pas dire, oh, un mug. Non, même si ça va me faire hyper plaisir parce que ça va être super beau l'objet. Enfin voilà, je vais pas sauter au plafond. C'est juste pour que vous le sachiez. Nous allons rentrer dans le vif du sujet tout de suite puisque j'ai récupéré la box. Je me suis munie d'une paire de ciseaux parce que je sais pas trop ce que je vais trouver à l'intérieur et c'est parti pour le déballage. Bon, en fait ça va, c'est très très facile d'ouverture. Je suis super contente en fait, franchement c'est intrigant parce que j'ai aucune idée, je me rappelle même plus du thème, enfin, j'ai lu le truc il y a tellement longtemps que voilà, je voulais filmer assez vite. Alors j'ai reçu la boîte hier et je voulais filmer assez rapidement parce que après j'avais peur d'être un peu spoilée sur YouTube, donc voilà, je préférais filmer assez vite. Ça y est, j'ouvre tout, voilà. Alors, je ne suis pas encore très familière parce que je regarde beaucoup de vidéos en anglais, donc forcément les termes des objets trouvés à l'intérieur, voilà. Alors, je sais qu'il y a une carte qui spoil tout le contenu, donc je vais essayer de ne pas la lire.
si c'est possible. Donc, on a une illustration au début avec... Voilà, donc je pense que ça, c'est la carte qui spoil un petit peu tout, parce que je vois qu'il y a pas mal d'écritures derrière. Le thème, je pense que c'est Cloak and Dagger, donc la boîte de mai 2022. Et je vais commencer tout de suite avec les objets qui sont à l'intérieur. Alors, tout d'abord, première chose que je vois et dont je ne me servirai pas, mais c'est pas grave, j'ai une petite nièce qui ça fera peut-être plaisir. Ce sont des chouchous, moi j'appelle ça des chouchous, pour mettre dans les cheveux. Voilà. Ils sont jolis, ils sont doux, mais c'est pas... Enfin voilà, moi je sais pas si vous m'avez déjà vu avec ce genre de choses dans les cheveux, je pense pas. Alors comme je vous dis, pour le moment, je ne suis pas encore familière avec toutes les... Je sais plus, c'est un nom spécial. Enfin, en gros, tous les livres qui sont sortis, il y en a eu tellement qu'il y a des objets qui font partie de certaines séries, etc. Mais ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a une citation sur un des chouchous. You're absolutely stunning. Donc voilà. Il y a rien de plus dessus. Ah, si, ça y est. C'est tiré du livre Blood and Ash. Donc je connais un de nom, même si c'est pas forcément... J'essaie de voir si ça pouvait m'intéresser et le résumé me tentait pas trop, en fait. Voilà, donc, peut-être qu'un jour je le prendrai, peut-être en audiobook, pourquoi pas, pour essayer, mais j'étais pas trop tentée par ce truc. Donc voilà, la première chose, c'est pas trop pour moi, donc voilà. Ensuite, bon, moi je vois qu'il y a plein de petits... voilà, hein, pour protéger les objets... Ah, il y a une grosse boîte, une plus petite. Bon, je prends la plus petite. Alors, la petite boîte. Alors, c'est Stardust Tea Strainer. Je pense que c'est pour mettre le thé en vrac. Hop. Je ne bois pas de thé. Bon, ça m'est déjà arrivé, mais c'est très très rare. Ah oui, c'est tout simple. Alors ça c'est... Donc cet objet est issu apparemment d'un livre qui s'appelle The Stardust Thief de Chelsea Abdullah. Je ne connais pas du tout. Bon, peut-être me montrer l'objet, hein, donc c'est tout simplement... Par ici. Si vous voyez bien, c'est en relief, il y a... Non, il n'y a pas de doré, c'est creusé dans le bois. En revanche, j'aime bien le décor. Étoiles et les lunes, c'est joli. Hop. Bon, je verrai si je m'en sers, sinon je le passerai à ma soeur. Alors ensuite, je vais laisser la grosse boîte pour après. J'ai vu qu'il y avait une petite enveloppe toute fine. Et ici, on nous dit c'est un décapsuleur et c'est issu de Red Rising. Pareil, je connais de nom. Hein. Je connais de nom, mais je ne l'ai jamais lu. Enfin, c'est détaché, je verrai. Elle est accrochée. Si je le tenais à l'endroit, ce serait mieux. Ouais, voilà, des capsuleurs. Bon, c'est un petit par contre. Hein. Il y a trois inscriptions, enfin, il y a trois mots qui sont inscrits sur le dessus. C'est. Ouais, c'est peut-être du latin, certainement. Audentes, fortuna, iubat. Écoutez, pourquoi pas. Je vais voir si je m'en servirai. Après, ça reste un joli objet. Je passe à la boîte, la dernière boîte, je crois. Après, il y a plus que... Je pense qu'il y a plus que livre. Si je dis pas de bêtises, il y a peut-être des trucs en dessous. Peut-être. Ouais. Donc ici, c'est un mug. Ah, ça va me plaire. Alors déjà, je suis fan des couleurs parce que bon, le mauve et le violet, enfin, c'est un peu mes couleurs que je préfère. Donc, on va voir. Ah. Ah ouais, c'est sympa. C'est très japonisant. C'est super joli. Je vous montre. Évidemment, ça me donne des vibes à la Mulan. Et le fond de Tata, c'est très joli. Donc. Je ne sais pas si les couleurs rendent bien à la caméra, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça rend vachement plus pétant que ce que c'est en réalité. Ma robe est rouge, mais
elle ressort bien, bien flash quand même. Donc, mais ça, voilà, c'est un espèce de lilas lavande, un peu, genre lavande. Ouais, moi j'aime bien. Donc là, c'est la collection. Ah ouais, d'accord. Donc c'est Celestial Kingdom, c'est peut-être le, thème. Parce qu'en dessous, c'est inscrit Daughter of the Moon Goddess. Et de la lune. À voir. Comme je vous dis, je vais commencer. Enfin, je serai un peu plus familière avec toutes les. C'est les fandoms, je crois que ça s'appelle. Toutes les, voilà, tout ce qui est issu de différents livres, tout simplement. Alors, je vais essayer de pas trop me spoiler. Parce qu'ici, on a donc le livre. Il y a les cartes de tarot. Ça, je sais, je regarde quand même pas mal. Il y a deux marque-pages. Alors, les marque-pages, ouais, ils sont sympas, ils sont jolis. Collection, alors c'est numéro 3, numéro 4, ils sont numérotés. Je sais pas, j'irai de voir si c'est, ça fait partie d'un même, si c'est issu d'un même livre ou si c'est justement deux personnages différents à chaque fois, comme pour les cartes de tarot. Mais ils sont sympas, il y a des petites... je sais pas si vous voyez, il y a des du foil un petit peu, je sais pas si on dit ça comme ça. Coloré sur certaines parties, donc c'est sympa. On n'a jamais trop de marque-pages, hein. Alors oui, je fais partie clairement de la team marque-pages. Ouais, j'aime pas quand il y a des pages, et en général, je prends mon petit marque-page avant de lire. Et pour les cartes de tarot, alors elles sont très très belles. Il y en a une, c'est The Empress, donc l'impératrice, et l'autre, c'est The Hierophant. Enfin, que je regarde parce que je sais pas trop. Moi, je l'ai jamais lu, donc je vous dirai. Mais ouais, elles sont super belles. Dans ça, par contre, je sais que ce seront des cartes différentes à chaque fois, à chaque box. Et après, ça fait un jeu de tarot entier. Le tarot. Mais j'aime beaucoup, j'aime bien, j'aime les costumes des personnages, ils sont sympas. Il y a une couronne, donc j'imagine que c'est certainement un roi, lui. Et ici, il y a encore une fois des planètes, enfin, il y a Saturne, je crois, Saturne. Et là, il y a une petite lune. Ce genre de décor, ça me fait penser un petit peu au... Quand on regarde comme ça très rapidement, hein, je sais que ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser un peu à Gatsby, enfin, à l'époque de Gatsby. Sauf que là... Est-ce que ce serait peut-être même des colonnes romaines, je sais pas. Bon, en tout cas, je compte sur vous pour m'expliquer un peu plus en commentaire. Si vous avez plus de détails sur les livres desquels sont issus les objets, les marque-pages, les cartes, voilà, ça me fera plaisir. Alors maintenant, je passe au livre qui est dans son petit pochon noir. Happy Reading, voilà. Alors, j'ai aucune idée de ce que ça peut être parce que je ne suis pas forcément toutes les sorties en VO, parce que tous les livres sont en anglais. Par contre, bah, je vois que c'est déjà en violet, donc ça commence très très bien, hein, puisque je pense que c'est assorti à la tasse. Parce que j'ouvre le dessus, je vois ça, donc déjà ça me plaît. Et ensuite, le livre. Tadam. Pour l'instant, je ne vois pas. Je vois que l'arrière. L'arrière me plaît déjà beaucoup. Et le devant. Et donc, c'est The Stardust Thief de Chelsea Abdullah. Donc, en fait... Et donc, en fait, l'objet directement en lien qu'on a reçu, c'est le fameux... Vous savez, cet objet pour le thé, là. Voilà. Je ne sais pas si c'est un diffuseur ou... Franchement, j'ai aucune idée. Je ne vois pas vraiment le thé, donc... Je sais pas si c'est un truc pour vraiment faire passer les feuilles de thé en vrac ou... J'essaierai de regarder ce qu'en disent les personnes quand elles dévoileront leur colis. J'ai tout fait tomber au sol, c'est pas très grave. Alors, on reprend où est-ce que je m'étais arrêtée. Le livre, ouais, il est sympa, les couleurs me plaisent. C'est dans les tons un peu violet, un peu mauve. À l'arrière, vous voyez bien. Ouais, ça fait des sortes de fleurs un peu pailletées. Alors, j'essaye de deviner juste par ce que je vois sur la couverture. Alors, ici, on a une sorte... Je sais pas si c'est un médaillon, mais c'est en forme de médaillon.
Et alors tout autour, on dirait comme une sorte de boussole avec des symboles spéciaux. Et à l'intérieur, il y a un palais avec une personne sur un cheval, une femme derrière, et une lampe magique. Je suppose qu'elle est magique. Donc, est-ce que c'est dans un univers style Aladdin ? Est-ce que c'est relié à Aladdin ? Est-ce que c'est une réécriture ? Je vais le découvrir maintenant. En essayant de lire les phrases en anglais et de les traduire à peu près. Oh, le livre, il a l'air super beau. Garder un petit peu de surprise pour la fin. Alors, sur le côté, là, dans le résumé, on nous dit que c'est inspiré, ouais, c'est inspiré par les contes des Mille et Une Nuits. Et qu'il y a, c'est une sorte de conte, en gros, avec un prince lâche qui va devoir mener une quête à travers le désert pour trouver une lampe magique. Donc oui, clairement, c'est inspiré par Aladdin. Concernant la première phrase du résumé, on nous parle de Luli Al-Nazari, qui est une marchande, je pense que c'est une femme. Oui, qui est la marchande de minuit, une criminelle qui, avec l'aide de son garde du corps, Jean, je crois que c'est un fantôme, c'est en rapport avec ça, je crois, chasse et revend illégalement des objets magiques. Et elle va être amenée à sauver un prince lâche, et de ce fait, elle va attirer l'attention de son père, le sultan, qui va la blackmailer. On dit ça en français, qui va la menacer, la faire chanter. Qui va la faire chanter pour qu'elle trouve une lampe ancienne. Alors, elle n'a pas le choix que de s'exécuter, d'obéir au sultan, et elle va partir apparemment avec le plus âgé des frères pour trouver cet artefact. Elle va être aidée de son garde du corps, qui a ses propres secrets, ses propres secrets. Ils vont devoir survivre à des attaques de boules. Ça, c'est pas mal. Donc, des bêtes, hein, certainement, des choses un petit peu... des créatures bizarres, on le dira-t-on. Vaincre une reine djinn vengeresse. C'est vengeresse qui veut se venger, quoi. Et confronter un tueur malicieux qui vient de son propre passé, donc le passé de Luli, qui est le personnage principal. Et dans un monde où l'histoire est la réalité et que l'illusion est la vérité, Luli va découvrir que tout, son ennemi, sa magie, même son propre passé, n'est pas ce qu'elle croyait être, et qu'elle devra décider ce qu'elle veut devenir, qui elle veut devenir, dans cette nouvelle réalité. Alors franchement, ça me hype. Je suis assez fan des Disney en général. Si ça touche plus ou moins à des contes que je connais, donc en plus, bon là, Disney, je sais qu'ils se sont inspirés de plusieurs contes, ils n'ont pas inventé toutes leurs histoires, mais Aladdin, donc c'est tiré du conte des Mille et Une Nuits, donc c'est un univers qui me plaît énormément aussi. Donc je pense que je vais aimer. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur du livre, parce que je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là. J'aime énormément. Là, quand j'ouvre ici... Et à l'arrière, qu'est-ce que ça va être ? Donc on retrouve Luli avec les deux personnages principaux. Je présume que ça doit être son garde du corps et le frère aîné, si j'ai bien retenu par rapport au... Super Luli, franchement, les décors sont magnifiques. Hein, Je vais déshabiller le livre, hein, voilà. Donc je lui enlève la jaquette. Et là, c'est super joli. Waouh. Très, très beau. Ouais. Bon, il m'en faut pas plus, hein, du violet et du doré. Ça y est, c'est bon. Hein, vous m'avez convaincue. Et ici. Pas ici ou pas là-bas, je crois que ça veut dire. Mais il y a très longtemps. Ça, c'est ce que je comprends. Alors, on a juste des tranches colorées. Hein, voilà. Je vais continuer à ouvrir ça. La signature de l'autrice, de Sissi. Et ça a l'air de bien être fait à la main. Les lunes, les étoiles, moi c'est un univers qui me plaît énormément aussi.
Et tout à l'heure, j'ai feuilleté juste vite fait. Alors, j'ai vu que ça faisait partie d'une trilogie. Donc, c'est le premier livre de la trilogie The Sandseed. Ouais. Donc, j'espère que ça va me plaire. Je découvre. Ah, il y a une carte. Je pense que vous êtes comme moi, que vous appréciez les cartes quand il y a des. Hein. En tout cas, le livre, il est vraiment super beau. Et ici, alors, est-ce que c'est. Ah oui, d'accord. Alors, chaque. Apparemment. Ah non, pas chaque début, mais. Il y a plusieurs endroits où il y a des. Il y a des sortes de. Ça fait une sorte de lettre en parchemin. Tale of the Djinn. Alors, j'ai l'impression que ça va nous conter des. Ça va mettre un petit peu aussi des passages. À voir ce que c'est exactement. Ouais. Y a des contes différents qui sont inclus, j'ai l'impression. Parce qu'après, il y a le conte de Amir et la lampe. Juste en feuilletant très rapidement, hein, je vois. Là, c'est quoi? Là, c'est le conte de la reine des dunes. Ouais, alors je me demande si c'est. Peut-être que ça va se focaliser sur certains personnages. Donc, ce qu'elle va croiser, peut-être qu'on en saura un peu plus de cette manière-là. En tout cas, quand je le lirai, ben, j'essaierai de vous faire un résumé assez compréhensible en français, hein, parce que c'est pas toujours évident, parce que on a beau être bilingue ou très bien comprendre l'anglais ou une autre langue, parfois c'est un peu plus compliqué quand il faut réexpliquer en français, de pas se perdre. Il y a des termes qu'on comprend mais qu'on n'arrive pas, on trouve pas forcément le mot sur l'instant, donc à voir. En tout cas, je suis assez contente. J'avais un peu, enfin, j'avais pas peur, mais parce que clairement, je sais que c'est une box young adulte et c'est pas forcément le genre que je lis. Donc, ça m'arrivait d'en lire un peu, mais c'est pas mon genre de prédilection. Après, à voir, parce que s'il y a des, bon, après, je sais que ça peut être un peu, comment? Il y a beaucoup de choses qui vont être enemies to lovers et pas forcément ma came, mais bon. C'est pas le principal. Tant qu'il y a une histoire derrière et que la quête, enfin, qu'il y a une quête ou qu'il y a quelque chose derrière, ça me plaît, moi. Donc voilà, je suis très contente pour ce premier livre. J'ai hâte de voir les vidéos des autres personnes qui auront reçu la box. Et puis, ben, comme d'habitude, pour tous les livres que je lis, je vous en reparlerai dès que ça aura été lu. Sachant que maintenant, vous voyez, j'ai un décor bien installé, etc. Donc ça va être peut-être un peu plus simple de filmer des vidéos. Et pour le montage aussi, ce sera plus rapide. Alors, je me suis rendu compte que j'avais fini la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer la lettre de l'autrice, donc avec une représentation des personnages du livre qui est dans la box. Bienvenue dans le monde magique de la voleuse Stardust Thief. Dans ces pages, vous trouverez de la magie ancienne, des illusions mind-bending qui vous retournent la tête. Mind-bending. Moi, je comprends ça comme ça. Et des contes qui vont flouter la ligne entre la fiction et la réalité. Donc, en gros, qui vont mélanger fiction et réalité. Vous trouverez une histoire à propos d'une équipe, enfin, de héros qui vont voyager à travers un désert périlleux et pour trouver une lampe mythique, pardon. Vous trouverez ce qu'est en essence une fantastique quête narrative inspirée par son héritage arabe. Donc très intéressant aussi. Le livre que vous tenez dans vos mains, c'est une lettre d'amour à la tradition, une tradition en gros depuis la nuit des temps, hein, en gros, qui est de raconter des histoires à l'oral dans la culture arabe. Elle voulait voir plus de, en gros, elle voulait voir plus de d'histoires de fantasy inspirées du monde arabe. Je pense à la culture arabe des contes des mille et une nuits sur les Algères, en gros, tout simplement. Inspirée donc par la collection des mille et une nuits et par les histoires avec lesquelles elle a grandi en tant que écrivaine, en tant qu'autrice américaine. Et elle est du Koweït, apparemment. Waiti? Pas dire de bêtises. C'est un livre qui est proche et cher à mon cœur. Et c'est ma joie toute personnelle de
c'est une immense joie de le partager avec vous. Bien que ce livre soit de la fantaisie épique, c'est aussi, à sa manière, une histoire dans l'histoire. Une histoire qui parle d'histoire. Celle qu'on se raconte à nous-mêmes et qu'on partage avec les autres. Je me suis dit à moi-même, Luli, et je me suis raconté à moi-même l'histoire de Luli et de ma zen pendant plus de 5 ans. Et c'est une magie un petit peu spéciale de savoir que ça va être lu et expérimenté par des lecteurs tels que vous. Et elle espère sincèrement que nous trouverons des parties de l'histoire qui résonne en nous et qu'on appréciera le livre du début jusqu'à la fin. Merci d'amener ce livre dans une nouvelle aventure. J'espère que vous apprécierez le voyage. Sincèrement, Chelsea. Voilà. Bon, bah, écoutez, ça me parle pas mal. Par contre, je suis vraiment pour le coup très très fan de ça. Bon, d'habitude, je suis pas trop carte et tout. Enfin, c'est un peu. Après, quand on à force de les collectionner, enfin déjà, je peux pas tous les afficher et en plus après, ça fait beaucoup. Hein. Mais là, franchement, ça me plaît bien. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on a ? Interview de l'autrice, d'accord ? Donc ça, je le lirai hors caméra, hein, ça sert à rien. Donc là, on nous dit, oui, c'est une couverture exclusive, des handpapers customisés, signés par l'autrice, spread edges, mais c'est juste, enfin, il voilà, n'y a pas de stencil dessus ou quoi. Et du foil sur le hardback, enfin, sur la couverture et sur la quatrième de couverture. Ensuite, le thème du mois prochain, alors je vais essayer de pas trop lire, mais je vais juste lire le titre, c'est Chosen Ones, avec une représentation d'une fille, une femme avec des livres qui volent. Ça fait penser un peu à Belle et à la grande bibliothèque de Belle, donc je vais pas trop me spoiler. Là, c'est la carte spoil, hein, du coup. Les cartes de tarot que je vous ai montrées tout à l'heure, ça vient de These Hollow Vows de Lexi Ryan. Je l'ai vu passer quand j'ai regardé les vidéos d'unboxing. Et c'est, les personnages, c'est Bree, Sebastian et Finian. Il y en avait trois. Il y en avait un avec deux et... Ouais. J'ai déjà oublié. Comment j'ai pas pu voir ça ? Les marque-pages avec le foil dessus, c'est le vert. En plus, j'aurais pu trouver. Ça représente Loki. Et l'autre, c'est Kumio. Ils sont numéro 3 et 4 de la collection. Alors certainement qu'il doit y avoir des personnages de différentes mythologies, de différents pays. C'est ce que j'en déduis en tout cas. Et sinon, bah, c'est tout. Ouais. J'étais très contente de déballer ça avec vous. J'ai toujours un book haul en attente, mais j'attends un petit peu parce que j'en ai publié un il n'y a pas très très longtemps. Et je dois encore vous faire une vidéo sur les couvertures de livres moches que j'ai refaites. J'ai aussi une vidéo qui sera consacrée aux séries que j'ai regardées dernièrement, les séries et quelques films que j'ai regardés dernièrement. Sachant que je vais essayer de me calmer parce que clairement, ma pile à lire grossit de jour en jour, quasiment. Et je ne lisais pas beaucoup dernièrement. Donc, à un moment donné, si je ne veux pas que mes bibliothèques soient remplies, il va falloir que je passe à l'action. Hein. J'ai très très hâte de vous montrer en détail mes étagères. Alors, sachant... Comme je vous l'ai dit, que c'est pas encore terminé parce qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui vont s'ajouter, il y a des livres qui vont partir. Peut-être qu'avant la fin de l'année 2022, j'essaierai de faire un unhaul. Parce que clairement, là, en face de moi, j'ai une bibliothèque. Donc, parce que, alors, faut savoir. Je vous expliquerai rapidement. Alors, il faut savoir que j'ai acheté donc les Billy, comme la plupart des gens. Donc, j'en ai trois grandes qui sont derrière moi. Il y en a une petite sur le côté et une petite qui va venir là. Pour l'instant, c'est pas encore installé parce qu'il y a l'aquarium de mon chéri. Il faut qu'on décale un petit peu pour que je puisse faire une sorte d'angle. Et ensuite, j'ai encore une tour, une demi-tour là-bas, enfin une grande mais à 40 cm de large et une petite. Donc je vous ferai un tour de tout, un bookshelf tour en fait, simplement, de tout ça quand ce sera bien installé. J'espère avant l'été, mais si c'est pas le cas, ce sera certainement à la rentrée prochaine. Et ici, donc ça va être principalement, si je continue de filmer dans ce siège, ce sera principalement les étagères que vous verrez. Sachant que celle ici derrière moi, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, elle est consacrée à Outlander.
Donc, j'essaie de mettre des plantes un peu partout hein, pour que ça agrémente un petit peu. Donc ça, c'est sur le thème Outlander. Donc, je suis avec les deux premiers tomes pour l'instant. Donc, vous savez qu'il y en a... Il y en a 8 déjà. Il y en a 7 ou 8, 9, je sais plus. Enfin, ça va bien se remplir. Ici, c'est mon étagère qui est consacrée au tout ce qui est féminisme, le droit de la femme, enfin, ce genre de choses. Ici, c'est tout ce qui est magie. Alors, pas le style fantasy ou fantastique, c'est vraiment la magie. J'ai notamment la Bible des fées, ce genre de choses, quoi. Et j'ai plusieurs ouvrages aussi sur la magie, la sorcellerie qui m'intéressent. Donc, pareil, ça va se remplir au fur et à mesure. Et je vous ferai le détail de tout le reste après en vidéo. Donc là, ici, tout en haut, je pense que vous pouvez deviner, c'est une étagère Harry Potter. Je sais pas si on voit bien. Mais voilà, je vous montrerai tout ça plus en détail dans une vidéo spécialement dédiée. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo de déballage de la Fairy Loot. Alors, c'était une première pour moi. Je suis pas fan de tous les articles qui sont à l'intérieur. Mais écoutez, je le savais très bien en prenant la box. Je sais que le young adulte, c'est pas forcément un genre que je lis beaucoup, du moins en français, parce qu'après, je pense que pour lire en VO, c'est bien de lire des trucs assez accessibles quand même, donc je pense que ça devrait le faire. Mais quand je regardais les vidéos de personnes qui recevaient la Fairy Loot, j'étais consciente que tous les objets ne me plairaient pas, donc écoutez, c'est pas très grave, mais s'il y a des tote bags, s'il y a des mugs, il y a des fois des pins, j'aime bien aussi. Bon là, le décapsuleur, oui, c'est bien, mais c'est pas forcément un truc dont je me servirais, donc voilà. Après, quand c'est trop, si c'est trop gadget ou si c'est trop trop marqué avec un décor, par exemple, j'ai déjà vu qu'il y avait des têtes d'oreiller à l'effigie de certains trucs. Enfin, voilà, ce genre de choses, je vais pas les mettre chez moi, quoi. Enfin, j'ai pas vraiment de déco, enfin, c'est un truc, c'est assez simple, quoi. Voilà, je suis pas, j'ai pas des trucs de livres partout, quoi. C'est juste les étagères et voilà, vous verrez un petit peu plus en détail puisque quand je vous montrerai les étagères, vous verrez un peu plus comment c'est dans mon salon. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Il fait très très chaud aujourd'hui, donc je vais aller me rafraîchir. J'espère que encore une fois que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, allez-y, hein, c'est gratuit, ça me fera plaisir. Comme ça, vous pourrez suivre un petit peu les autres ouvertures de Fairy Loot. Mettez-moi en commentaire s'il y a un objet qui vous plaît, aussi, que vous trouvez moins bien, voilà. Et dites-moi aussi si vous êtes abonné à la Fairy Loot ou à une autre box littéraire comme la Outrate, je sais plus, il y en a tellement que... Je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée ou une bonne journée, ou un bon matin, en fonction du moment où vous regardez la vidéo. À très très bientôt. Prenez bien soin de vous, profitez bien de vos proches dès que vous le pouvez et c'est tout. À la prochaine. Ciao ciao.